Ici, je travaille à l'adaptation d'une œuvre de Robert Walser, Vie de poète. C'est un recueil de 25 proses. Elles sont brèves, de quelques pages chacune, écrites pour la plupart à la première personne du singulier. C'est le poète qui parle. Il raconte son existence, ses projets d'écriture, son quotidien. Il raconte les péripéties, les dérèglements dans lesquels sa vocation le précipite. C'est un personnage fantasque, insoumis à sa façon et définitivement têtu. Il persiste à consacrer sa vie à la poésie alors que tout l'en décourage et l'entraîne dans la catastrophe. Dites-moi pourquoi vous regardez mon nez. J'aime quelqu'un. Ah. Qui ne le sait pas d'ailleurs. Ah. Pas encore. Ah. Mais qui va bientôt le savoir s'il l'ignore. On est d'ailleurs resté neutre, lardon. Pourquoi je vous lardais? Alors pourquoi donc prendre un air dénigrant? Peut-être que monsieur le trouve un peu trop grand. Je viens pour caresser l'inaccessible, pour gravir les pyramides. Les lampes della Olimpe et Giocasconda. Ik heb niet alleen l'humanitair gedaan, hè. Tussen haakjes. Ik heb ook polytechniek gedaan. Hè. Ik heb bruggen gebouwd en zo. Hè. Ik heb wegen aangelegd. Ik heb waterleidingen gestoken. Le malade imaginaire est certainement le chef-d'œuvre de Molière, car il présente à la fois toute la complexité de ses dramaturgies, toutes ses intrigues. Mais c'est aussi une pièce qui condense tout l'art, le savoir de Molière sur la farce et la comédie humaine. Notre objectif est à la fois de vous faire entendre la langue de Molière et vous faire réfléchir sur votre propre maladie, vos propres illusions et aussi sur les raisons pour lesquelles vous voulez absolument marier votre fille à un docteur. Bravo de m'avoir écouté et merci d'acheter des billets. Au revoir. Bonjour à Algernon. À quoi ils pensent les gens intelligents? À des choses intéressantes, mais c'est quoi des choses intéressantes? Moi, j'en connais pas. L'expérience, c'est une opération. L'opération, c'est ce matin. Je prends des cours de piano, de violoncelle et de composition. Le but, la direction d'orchestre. Moi, j'en ai les capacités, professeur Nemur. Pour l'instant. Alors laissez-moi travailler. Thank you.
C'est lui qui a mené tout cet abattage illégal sur le domaine de l'État. C'est lui qui a dirigé toute opération. Moi, j'ignorais ce que fabriquait le lieutenant Ekdal. Le lieutenant Ekdal ignorait probablement lui-même ce qu'il fabriquait. Peut-être, mais le fait est qu'il a été condamné et que j'ai été acquitté. Oui, je sais bien qu'il n'y avait pas de preuves. Il vaut mieux avoir la chambre en réserve pour une autre fois. Tu es contente, hein, d'avoir une bonne nouvelle à lui annoncer quand il rentre le soir? Oui, parce qu'alors tout devient plus gai ici. Nous étions 13 à table. D'ordinaire, nous sommes toujours 12.